les grandes horloges se sont arrêtées. Personne ne les remonte. Et quand parfois je me mets devant, ce n'est pas pour voir l'heure, mais mon visage même, reflété sur le verre, étrangement blanc, un visage de plâtre, impassible. Hors du temps. Tandis que dans le fond obscur, les aiguilles arrêtées juste derrière mon visage sont une lancette immobile qui n'a plus de blessure à ouvrir, qui n'a plus rien à m'enlever. Peur ou espoir, attente ou anxiété. Ce ralentissement multiplie la distance entre moi-même et moi, entre un geste et l'autre, entre un souvenir et l'autre. C'est un mois entier qu'il faudrait pour passer d'une chambre à l'autre. Une sorte de brouillard vague tient entre toutes choses. Souvent, les matins d'hiver, je suis là, derrière les vitres, et je regarde la distance comme une amie. Dans le fond, il arrive que quelqu'un passe, vaporeux, une tache sans visage, sans chair, et l'on n'essaie même pas de la distinguer vraiment, et l'on ne se soucie pas non plus de savoir où elle va. Ici ou là, cela revient au même. Les arbres, immatériels, eux aussi. Ces heures-là, si un bûcheron tentait avec sa hache de couper un saule, ainsi près, il n'y aurait ni son, ni bois, ni hache. C'est par plaisir qu'ils s'étendent à la terre. Cette belle incertitude est la seule réalité. Elle fait de moi une étrangère lointaine, presque invulnérable, comme cette tache dans la brume. Et j'aime cette légèreté et en même temps, j'en ai peur. Si j'enlevais ces bracelets, si je dénouais mes cheveux, la nuit. Si je dénouais les lacets de mes sandales, ou si j'enlevais seulement ces lourds colliers qui me serrent la gorge. Comme les anneaux d'une chaîne. Je crois que je m'en irai vers le haut, je me volatiliserai. Je ne le voudrais pas. C'est sans doute pour cela que je les porte. À leur façon, ils me retiennent, même si souvent ils me gênent. Je les porte dans mon sommeil. Je me sens comme un chien que j'aurais moi-même attaché à une porte tombée. Céder, je pense, est la mesure de la grandeur. Ceux que la peur retient toujours n'ont pas la force, ma sœur par exemple, de s'incliner. Et ils restent crispés sur les cimes glacées de leur propre impuissance.
D'où vient leur orgueil, alors? Où est leur vertu? Mais ma sœur croyait tout réglé avec ses « il faut » et ses « il ne faut pas ». On aurait dit qu'elle annonçait cette religion future qui sépara le monde en deux, en ici et en au-delà, qui sépara le corps de l'homme en deux, répudiant tout ce qui était au-dessous de la ceinture. J'avais pitié d'elle, c'est vrai. Pour un peu, elle m'aurait fait du mal à moi aussi. S'ils ont tant célébré sa gloire, c'est parce qu'elle leur évitait d'avoir à agir eux-mêmes. Sur son visage, ils honoraient leur propre résistance vaincue. Ils se pardonnèrent à eux-mêmes, se déclarèrent innocents et se tinrent ainsi tranquilles. Si elle avait vécu, oh, sûrement, il l'aurait haï. Sa seule idée, c'était mourir. Je dis de me mourir. Et maintenant je dis, sachant qu'il n'y avait pas moyen de l'empêcher. Plutôt que d'éviter la mort, d'accepter la mort, jour après jour, telle qu'elle, pour prix d'une vieillesse ingrate et stérile, elle préféra aller à sa rencontre, la provoquer même, au nom d'une grandeur d'âme insolente et trompeuse, en faisant de la peur qu'elle avait d'elle-même, et de vivre un héroïsme en déguisant sa propre mort, inéluctable, en une immortalité facile, oui, oui. Facile, malgré tout son aveuglant éclat. Comment a-t-elle pu le supporter, mon Dieu? Elle, qu'à rien, faisait se mettre en colère tant elle avait peur. Elle, toujours terrorisée, devant la nourriture, devant la lumière, devant les couleurs, devant l'eau fraîche et nue. Jamais elle ne porta de bijoux. Même sa bague de fiançailles, elle l'avait enfouie dans un coffre, promenant au milieu de nos jeunes rires sa sombre arrogance, brandissant son regard maussade au-dessus de notre insouciance comme une épée prestigieuse et vaine. Parfois, on la voyait aider à table, apporter une assiette, une cruche. On aurait dit qu'elle tenait dans ses paumes une tête de mort qu'elle plaçait entre les amphores. Personne ne s'enivrait plus. Une nuit que nous jouions, garçon, l'un de nous, dans l'élan du jeu, eut l'idée que nous échangions nos habits. Les garçons s'habillaient en femmes et nous en hommes. Et que d'étrange plénitude, que de liberté maladroite il y avait dans cet échange. Comme étrangers dans notre peau, en même temps que nous étions nous-mêmes, véritablement. Seule ma sœur avait gardé ses habits noirs et restait à l'écart.
pétrifiée. Réprobatrice et agressive. Nous dégringolâmes les escaliers, sortîmes dans le jardin, nous dispersâmes. Les filles habillées en hommes étaient plus audacieuses que les garçons. C'est comme si elle avait eu honte d'être une femme. C'était peut-être cela, son malheur. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est morte. Chacun de nous voudrait, sans doute, être autre chose que ce qu'il est. L'un les supporte plus ou moins bien, et l'autre pas du tout. La destinée, comme on dit, nous retient prisonniers dans le cercle de l'impossible, et nous tournons autour du puits au fond duquel reste enfermée, énigme sombre et insoluble, notre visage. Ma sœur, elle, refusait tout conseil, toute concession, inflexible et désespérée. Cependant, alors que tous dormaient et que je descendais les pieds nus l'escalier, je la vis devant le cellier de la salle à manger, une écuelle de résinée à ses pieds, en train de manger à grande cuillerée du pain trempé. Je me retirai aussitôt. On n'entendit plus soudain que le chant des cigales dans le jardin. Elle ne m'avait pas vue. Jamais je ne lui ai dit. Elle n'en sut rien. J'avais beaucoup de pitié pour elle, car elle aussi avait faim, et elle le savait. Peut-être même avait-elle besoin d'aimer. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir à s'incliner devant son propre désir, qui n'était pas évidemment son œuvre à elle et ne dépendait d'elle en rien. La mort seulement ! Non, seule l'heure. Et la façon d'en finir pouvait être choisie. Et c'est un fait, elle l'est choisie. Et son
sans amis, sans personne pour me pleurer, et surtout sans avoir connu d'homme. Puis son seul véritable aveu, sa première belle humilité, sa seule générosité de femme, sa dernière et son unique sincérité, comme pour justifier en quelque sorte son amère présomption. Cela le pardonnait à mes yeux. Cette autre fois, quand on a voulu ouvrir la terrine et que nous l'avons trouvée à moitié vide, tous la regardaient étonnés. Cette rougeur qui lui vint aux joues. Moi, je regardais ailleurs, aux fenêtres. Le jour était d'une blancheur éclatante et pénible, au point que je souhaitais au fond de moi-même l'aveuglement de tous sur tout. Quelques roses bêtes pointaient du jardin jusqu'au rebord de la fenêtre. Je sentis pour la première fois que la mort n'était pas noire, mais blanche. On ne peut s'en cacher. Deux servantes furent punies pour ce larcin. Je suis sûre que dès ce moment, elle avait décidé de mourir. Elle n'attendait que l'occasion. Jamais ma sœur n'avait été aussi belle que morte. Moi seule lui fardais les joues, ostensiblement. Peut-être me rappelais-je comme elle avait rougi devant la terrine, devant la salle à manger. Puis je lui mis du rouge à lèvres et du noir à ses yeux immenses, avec du bouchon brûlé. Elle ne se maquillait jamais. Je lui mis aussi un collier à 5 rangs pour cacher les marques affreuses de sa gorge, de jolies boucles d'oreilles avec leurs 2 petits amours nus, des bagues, des bracelets et une large agrafe d'or à sa ceinture. Ainsi maquillée, ainsi parée, elle offrait une étrange ressemblance avec moi. Comme elle ressemble à Ismène, dit tout bas une petite fille. Maintenant, elle avait renoncé à ses décisions terribles, à ses lignes de conduite morale, à tous ses préjugés et ses ambitions masculines idiotes. Morte, elle était enfin devenue femme! Souvent, je faisais semblant de dormir.
l'observais, couché plus loin, dans une attitude immuable. Une nuit, le clair de lune avait envahi la chambre et la baignait jusqu'à la taille. Je la vis remuer ses doigts éclairés comme une danseuse, comme une prêtresse, comme si elle avait tressé une invisible corde, comme si elle écrivait des chiffres dans l'air. Quelque chose, peut-être les années qu'elle avait vécues, ou bien leur inexistence. Puis elle les porta autour de sa gorge et les laissa là, argentées, et tout à coup sursauta comme si elle avait eu peur. Elle se leva, l'ombrelle blanche de notre mère avec ses dentelles l'ouvrit et s'assit en dessous, recroquevillée dans son lit comme pour se préserver de la lune ou bien des ombres de la nuit. Elle paraissait ainsi toute trouée de petits méandres argentés. Ma sœur, à l'aube, dans la cour, marquée par le dessin, blême, ses mains, sa robe, ses cheveux, tout couvert de terre. La bise matinale nous transperçait, nous tremblions, le jour descendait, immensément blanc. Criblé de corbeaux noirs. Jamais la peur ne m'a quitté, qui ne m'assoit un jour sur le trône. Il faut avoir quelque chose à fuir pour rechercher les honneurs. Soi-même, ou plus encore, les hommes et la vie. Je n'aurais pas du tout aimé être célèbre, n'avoir plus d'ombre, et ne serait-ce qu'un endroit, quelque part, où rester seul, pouvoir lentement retirer mes sandales et jouer, que sais-je, avec les clés de mes tiroirs d'une main insouciante que je laisserai pendre en dehors de mon lit. Moi, j'ai choisi cette fenêtre. Quand je me penche ici, moitié dedans, moitié dehors, je regarde, je me souviens. Rien ne m'appartient. Tout est calme. Je recommence à observer les arbres, les oiseaux, les couleurs, les pieds lourds des chasseurs qui reviennent avec le soir. Et je suis libre. Ils ont quelque chose à me dire, à me confier. Parfois j'ai honte que cette nouvelle tendresse
presque cette nouvelle enfance qui s'installe sans que je le veuille au bord de mes lèvres. À peu près comme une hirondelle qui fait son nid sous un toit effondré. Étrange tout de même. Comme le bruit s'est apaisé, on ne pouvait plus rien entendre. Comme il s'est éteint dans le lointain. Je suis donc moi. Étais-je moi? La chance est endormie dans le miroir. Parfois, je m'arrête devant un miroir et je me peigne les cheveux. La glace entière est pleine de leur corps. Ce n'est qu'au-dessus de leur aisselle, quand ils ouvrent leurs bras énormes comme pour m'empêcher de passer, que j'aperçois par instant, rejeté dans un coin, un petit morceau de mon visage. Ou l'un de mes deux yeux, comme si j'étais borgne. Sur les marches de l'escalier, tous les matins, je retrouvais les empreintes poussiéreuses de leurs pieds nus et agrandis. C'était difficile de monter ou de descendre sans leur marcher dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende notre nouveau jardinier monter 4 à 4 les escaliers. Madame, madame, les œillets ont fleuri, criait-il hors d'haleine. On aurait presque dit qu'il allait pleurer. Ses cheveux dégouttaient, fraîchement mouillés. C'était le mois de mai. Alors je descendis les marches. En effet, les œillets avaient fleuri. Le jet d'eau était là, un peu plus loin. Nous sortîmes les cages des canaris sur les bancs du jardin, lavâmes leurs petites scoupes, leur mîmes de l'eau fraîche et du chêne vie, et déjeunâmes sous les arbres. Il commençait à faire chaud. Je mis un œillet dans mes cheveux. Le pain avait un goût de vivre. Rappelle-toi, quand tu creuses profondément, tu trouves la lumière.